Hey, salut les gens, c'est Matt Movie. Alors avant de commencer la vidéo, je vous indique que je vous fais gagner un bon de 10 € chez Nitrado, car je suis devenu partenaire et donc je vous fais gagner un serveur, donc un bon de 10 € sur le site. Pour le gagner, c'est très simple, vous vous abonnez à la chaîne et vous lâchez un commentaire en rapport avec les vidéos, pas de jeu par type, sinon vous serez mis en catégorie spam. Et puis voilà, vous abonnez, vous commentez, et puis vous aurez peut-être une chance de gagner le bon. Allez, moi je vous laisse sur la vidéo. Hey, salut les gens, c'est Mac Movie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que vous voyez ma handcam. Parce qu'aujourd'hui on va essayer de cliquer le plus rapidement possible avec un hand spinner. Voilà, c'est le mien, c'est un bas de gamme. Donc voilà, tout simplement, on va essayer de faire tourner le hand spinner comme ça et de l'appuyer sur la souris. Si vous tenez à la vôtre, ne faites pas ça évidemment parce que moi je vais totalement déglinguer la mienne. Et ensuite, on va essayer, donc ça va donner ce bruit, je suis désolé, ça va donner ce bruit. Donc voilà un bruit plutôt désagréable, donc baissez le son. Donc je suis avec Stargate 8500, donc qui sera un cobaye, donc c'est un bot plus ou moins. C'est pour ça qu'il ne bouge pas. Donc on va d'abord essayer avec un pig, un petit cochon, voir ce que ça donne. On va tester en mode rapide, donc c'est ça. Je sais pas si vous voyez l'effet stroboscopique, mais ça devrait pas trop vous déranger. Et un effet lent, donc comme ça. On va commencer avec le rapide. C'est parti, donc c'est très simple pour faire ça. Donc déjà je m'équipe de mon épée. Je tiens la dernière partie, comme on peut dire ça, de ma main, donc cette partie de ma main sur la souris, histoire qu'elle ne tremble pas trop. Et je fais tourner le spinner et je vais l'appuyer sur le clic gauche. Alors j'espère que vous allez bien voir. On est parti, on fait tourner et hop. Ok, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, il tourne encore. C'est pas mal. Donc en fait, au début, ça ne tape pas du tout. À ce que j'ai vu, hop, je vais mettre un 7-0. Donc au début, ça ne tape pas du tout. Mais c'est plus vers la fin où ça tape. Oups, il vient de m'échapper. Hop. Ah ouais. Et honnêtement, c'est cool. Je m'attendais pas du tout à ça parce que je l'ai pas du tout testé. Hop, on va le refaire une dernière fois en mode rapide. Attention. Là, ça ne tape pas. Et là, ça tape. Ok. D'accord. C'est intéressant. Je pensais pas du tout à ça, je pensais que ça allait faire du gros gros clic, mais ça n'a pas fait ça. Bon, on va tester sur Stargate, alors c'est le moment de tester. On va tester en rapide, donc comme ça, c'est parti, on va essayer d'avancer en même temps. Ouais, ça clique pas de ouf, enfin, ça, c'est pas ouf ouf, mais bon, ça reste sympa. On est donc de retour avec Mister Stargate qui est maintenant immortel. Donc on va continuer à tester les techniques pour essayer de cliquer un maximum parce que là j'ai l'impression que ça clique pas des masses. À part si j'essaye de mettre le hand spinner au bout de la souris, genre ici. Ouais, ça peut être pas mal. Si j'essaye sans tenir. Ah ouais, là c'est 100 fois mieux, regardez. Super rapide. Sans tenir. Ah ouais, mais ça défonce tout. Je sais pas si vous vous en rendez compte parce que c'est pas des gros clics, genre je fais même pas du 10 CPS là. Mais honnêtement, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Ah ouais, ça clique vachement. On est vraiment pas à ça. Et moi, bah, je fais du comme ça. Je clique vraiment pas vite, hein. Mais voilà. Et je pense que l'end spinner peut cliquer largement plus vite que moi. Si on fait un comparatif. Si seulement il pouvait tenir plus longtemps. Hop, je l'envoie méga fort. Ah ouais, eh, c'est vachement impressionnant. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais tester. Donc voilà, on teste en version lente peut-être pour voir ce que ça donne. Ouais, ça clique pas des masses en version lente. Hein. Mais bon, si vous voulez des conseils, donc voilà, prenez un spinner, mettez-le plutôt en rapide, donc très très vite, le plus vite que vous pouvez, et mettez-le au bord de la souris et ne la tenez pas. Ça va pas trop la faire bouger et ça va mettre des bons gros coups. Bon voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo assez courte mais assez fun, je trouve. N'hésitez pas à tester par vous-même et à m'envoyer bah, vos scores ou ce que vous voulez. J'ai pas pu le faire sur le Koï Test, mais ça fait que du 6,6 CPS donc j'ai pas trouvé ça très ouf comme score. Bon, en tout cas, je trouve ça sympa en jeu, ça peut être drôle de tenter des petits défis avec ça. En tout cas, moi, c'est la fin de cette vidéo, je viens de drop mon épée. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager et à vous abonner surtout. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.